faut savoir qu'il y a un contexte extrêmement favorable aujourd'hui en Chine, avec les villes qui sont poussées à faire des bilans des émissions de gaz à effet de serre. Et ce qui est très important dans notre démarche, ça a été d'adapter la méthodologie au contexte chinois. Je suis le directeur fondateur de Internet Energy Solutions. Et c'est un bureau d'études qui est spécialisé dans l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les bilans des émissions de gaz à effet de serre. Donc Olivier Papin, bureau d'études ESIC, je dirige le pôle de compétences environnement. On fait comme Nicolas de l'efficacité énergétique, de la stratégie environnementale. Et historiquement, on a une vocation internationale qui est assez développée. On travaille par exemple sur le Canada, sur le Maroc. Et on a eu l'opportunité de travailler ensemble sur la Chine, puisque le projet qu'on a mené en Chine est un projet assez compliqué à monter, à mettre en œuvre, et on a choisi d'unir nos forces pour mettre en place ce projet et s'inscrire vraiment dans une coopération à long terme vis-à-vis et de la Chine et de nos deux structures. Alors nous avons une collaboration avec Wuhan depuis de très nombreuses années, puisqu'on a commencé à avoir des relations à peu près dans les années 90, et puis nous avons concrétisé un vrai jumelage avec la ville de Wuhan et la ville de Bordeaux dès 1998. Et nous avons axé notre partenariat de façon très volontariste, d'un côté comme de l'autre, depuis quelques années, sur tout ce qui a trait à la transition énergétique, transition écologique, développement durable, etc.其实就是因为包括我们自己的习总也说过了，就是说中国会有更多的精力在低碳减排，包括绿色持续发展这方面。所以说我们作为各个地方其实也一直在努力做这方面的工作。其实我们怎么来讲，就是我们第一期的合作其实是做了三个试点的一个合作，但是这个并不是 Blend Carbon 它的唯一的一种，它另外还有一种应该是一个地区的评价。我也是希望就是第二阶段我们能不能在这方面看有一些更多的合作和探索。感谢，也比较高兴能有这次机会大家一起合作嘛。这就是说也是一个相互学习的过程。其实虽然是一些场面化，但是真的感受是这个样的。对，是一个很好的合作，不光是技术的合作，也是文化的合作嘛。 On a des pépites en France de solutions, notamment dans le domaine du climat. C'est qu'on s'aperçoit que des PME françaises sont à l'origine de mise en œuvre de méthodologies extrêmement innovantes, extrêmement adaptées aux besoins rencontrés par les pays. C'est le cas, par exemple, du bilan GES, notamment dans sa partie Scope 3. Et en Chine, c'est extrêmement novateur de quantifier les émissions indirectes autant que les émissions directes. Et ils ont une obligation d'agir extrêmement rapidement. On a une pollution atmosphérique qui est assez importante, comme tout le monde le sait. Et donc souvent, la tentation, c'est de se dire, on va mettre des véhicules électriques. Donc comme ça, on enlève les émetteurs de polluants de la ville. Ce qui est vrai sur une approche d'émission directe, l'émetteur sort du territoire. Par contre, quand on raisonne en émission indirecte, cette électricité, il a fallu la produire d'une façon ou d'une autre. Et en Chine, c'est souvent des centrales à charbon qui peuvent être en périphérie de la ville et avec des effets après climatiques, finalement, la pollution revient. Donc l'intérêt d'avoir la vision Scope 3, c'est vraiment d'avoir la vision de l'ensemble du périmètre et du coup de l'ensemble des leviers d'action. Tu vas signer donc avec le comité de gestion de la ville du Rhin, monsieur Liu Jingqing, une lettre d'intention pour l'élaboration d'un projet pilote d'évaluation du bilan carbone du projet de Xiaodian. Donc si on n'a pas une caution institutionnelle forte, on est vu comme simplement un vendeur de produits lambda. Le fait d'avoir cette reconnaissance institutionnelle et ce soutien, c'est stratégique, parce que pour eux, ça atteste en fait qu'on est compétent, puisque finalement, on est soutenu par les institutions françaises. Et ces résultats concrets ne peuvent avoir lieu que si on a suffisamment de confiance en termes politiques et suffisamment de réponses en termes d'acteurs économiques capables d'apporter des réponses concrètes sur le terrain. Les deux signatures qui ont eu lieu là, ces deux derniers jours, vont nous ouvrir la porte
en 2016. On a besoin de cet accord côté chinois pour pouvoir poursuivre le projet. Donc ils ont acquis une capacité au-delà du carbone à positionner toute étude qu'on peut faire sur les flux matières, ou sur les flux en général, quoi. Je dirais presque sur les flux financiers, parce qu'il y a des montages financiers qu'il faut faire aussi. Du point de vue de mon ministère, je ne connais pas d'expérience de coopération décentralisée, vraiment, en direction de la Chine, aussi riche. Et c'est une superbe aventure, parce que dans une carrière professionnelle et pour des structures comme nous, c'est un peu le projet dont on rêve, en fait, qui va allier les aspects intellectuels, les aspects techniques, les aspects culturels. Et moi, c'est vrai qu'à titre personnel, il m'a beaucoup apporté en termes d'ouverture, en termes de recul, en termes de compréhension du monde dans lequel on vit, de ce qui se passe en Chine, des enjeux chinois, de ce qu'ils doivent faire, de leur capacité à faire, de leur envie. Merci à tous. 所有的中国的朋友们，我觉得法国和中国合作是一个非常重要的合作。英泰国际有限公司和SC公司非常感谢我们中国的朋友。